c'est déjà la pause, messieurs, dames. Ah, eh bien, cette semaine, les enquêtes bidons journalistiques, c'est un scandale! Aujourd'hui, j'ai vu dans le journal un sondage bidon monumental. Ça disait en gros qu'on était peut-être un peu raciste et pas juste chez ces messieurs la police. Toutes ces manipulations médiatiques font en sorte que le bon public pour acheter les journaux imprimés avec dedans. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Tout plein de publicité. Mais aujourd'hui, on le sait, le but réel de cette conspiration, c'est de nous vendre des caleçons, du botox, des voyages en avion, des lunettes à double foyer, un iPod, une paire de gros nénés. J'ai vu à la télé une enquête maison où tout est bien ficelé. Une vieille dame et sa facture gonflée, une compagnie qui l'avait embobinée. Toutes ces manipulations médiatiques font en sorte que le bon public reste accroché à son poste de télé. Il regarde, qu'est-ce qu'il regarde? Les publicités. Mais aujourd'hui, on le sait, le but réel de cette conspiration, c'est de nous vendre des autos, des motos et des petits camions, des massages thérapeutiques, un téléphone, une caméra numérique. Encore une fois, entra. Bonjour patron, regardez ici dans le journal, il dit que c'est la fin du monde. Regardez patron, regardez, là. Oui, vous voyez patron. C'est le Boxing Day. Regardez mon brave. Mais patron, patron, ça, c'est n'importe quoi. Quand il n'a plus rien à raconter, les journaux et les stations télé, rien de tel pour se refaire qu'un scandale improvisé. Une arnaque syndicale ou gouvernementale. Mais aujourd'hui, on le sait, le but réel de cette conspiration, c'est de nous vendre des maisons, un condo avec un grand balcon, un piano, une guitare électrique, un mélangeur et un aspirateur. Encore une fois, ouais. Encore une ultime dernière fois. Alors patron, vous voulez dire, on va tout magasiner? Oui, bon, on va chez Walmart, hein, d'accord. Ok. On ferme la shop. En goût!